Ah, rapido, rapido, rapido. Ay, vite, vite, vite. Vamos. La panique, très mauvais conseiller. Il y a des stagiaires, évidemment, pouvaient se l'enfer, et moi, je suis le diable. Mais pour savoir ce que c'est l'enfer, il faut les visiter. Levez de vous ! Poussez, Daniel, poussez ! Tous ! Les gens demandent quelque chose pour moi, moi je demande pour les gens. C'est ce que j'aime, c'est la cohésion ici. Tout le monde, on est tous ensemble. Il y a personne qui est à gauche, il y a personne qui est à droite, il y a un qui est dans la mer. L'autre il est là et on est tous comme ça, quoi, unis. Poussez! C'est quoi cette merde là? Dépêche-toi, bordel! C'est difficile. Mais il faut que ce soit difficile. Parce que les bonnes choses, on gagne dans la souffrance. Avec un peu de douleur. Il faut qu'on mérite. Allez, on y va! Alors les gens un peu, des fois on se dit on est un peu fou, des fois on discute de ça, des fois on croit qu'on est un peu fou quand même, parce qu'on subit des choses, après on est content de l'avoir subi, ça aussi c'est un peu bizarre. Oh Zavi, courba! Oh! Monte Taras, monte ou abandon! Abandon! Abandon, abandon, tu as le pas, tu es nous la chier, mec, tu es la chier. Vendez, ça, tu n'arrives même pas à faire des pompes. Quels soldats de France on va former si on n'arrive pas à faire 20 pompes? Ego! Courba, n'arrive pas à faire 20 pompes, courba. Te manque qu'une pompe, te manque détermination, Tres. Détermination, courba, abandon, Tres. Il n'y a personne qui regarde, dans ton chapeau, personne regarde. Abandon, Tres, regarde-moi, abandon. Non, mais... L'agressivité qu'on donne dans certaines séances d'entraînement, ça va choquer. Ça va choquer à quelqu'un qui ne connaît pas le pourquoi, surtout c'est le pourquoi on fait ça et c'est quoi l'objectif. Ça va choquer. Et c'est surtout ça va choquer aux ceux qui regardent négativement, qui vont regarder le côté négatif de qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils ne s'aiment pas. Surtout à la Légion en France. On est là pour défendre la France, c'est sûr, mais il y a beaucoup qui ne nous aiment pas. Mais je suis sûr qu'ils ne nous aiment pas parce qu'ils ne nous connaissent pas. La Guyane française. Une auréole de terre maudite, le mystère des forêts amazoniennes. Pour les légionnaires du 3e étranger, la dernière terre d'aventure. Le Sefeu, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, le terrain où la Légion forme ses hommes au combat dans la jungle. 17 de ces légionnaires aguerris sont volontaires pour suivre le stage des aides-moniteurs forêt, l'un des plus durs et des plus longs de la Légion étrangère. Pour obtenir leur brevet, ils devront tenir 6 semaines dans la moiteur de la jungle. S'ils surmontent cette épreuve, ils deviendront à leur tour des moniteurs de la selva, la forêt amazonienne. Kourou, la base du 3e régiment étranger, premier jour de stage. Gonfler la poitrine, rentrer les ventres, remonter les épaules. Si on a envie de faire ce stage, c'est pour d'abord se surpasser soi-même. Toujours aller au bout de ses limites, toujours plus loin. Ça, c'est... Je pense que quand on est militaire, c'est important. J'insiste, le stage est sélectif. Hein. Donc ça va pas me gêner, éliminer des mecs. Hein. Ce qui veut partir, il vit tout de suite. On recule jamais. Parce qu'on a signé pour ça. C'est notre devise. La devise de la Légion, c'est pour ça qu'on porte le képi blanc. Mais une fois dit, je pars, c'est pas la peine après de revenir. Hein. C'est comme dans les fleuves, on s'est noyé qu'une fois. Hein. On ne peut pas dire la prochaine fois, je ferai mieux. Vous êtes noyé, vous êtes noyé. Hein.
pour les jeunes légionnaires qui arrivent ici. Ils apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Pour les stages, gagnons ! Ces légionnaires ont entre 20 et 39 ans. Ils sont français, sénégalais, colombiens, roumains, tchèques, polonais, albanais, espagnols ou brésiliens. Sous les rangs, deux instructeurs, trois moniteurs, 16 stagiaires, 7 stages, ayudent à chef Lopez, à son colonel. Bien. Aujourd'hui débute pour vous le stage aide-moniteur forêt. Durant 6 semaines, vous allez suivre un stage particulièrement difficile et exigeant. Les instructeurs vont vous apprendre à vivre, survivre et combattre en forêt. Si vous êtes là ce matin devant moi, c'est que vos chefs vous font confiance. Ils estiment que vous avez le potentiel pour être des aides-moniteurs forêt. Ils vous font confiance, je vous fais confiance. Bonne chance et bon courage pour le stage. Hey ! À disposition de l'adjudant-chef Lopez. L'adjudant-chef Lopez est instructeur. Cet Espagnol de 49 ans a 23 ans de Légion, dont 9 passés en Guyane. Un record. Les légionnaires le craignent et le respectent. Ce soldat perpétue la tradition hispanique des képis blancs, de la guerre d'Espagne au franquisme. De nombreux Espagnols ont trouvé refuge à la Légion. Ils sont avec les Portugais parmi les meilleurs, discrets et durs au mal. À mon commandement, repos. Et c'est parti pour une semaine de tests et de mise à l'épreuve. Les légionnaires doivent prouver aux instructeurs qu'ils ont leur place dans le stage. 4. Regardez les mouvements. 7. 5. La forêt, 6. Ils devront la mériter. 7. 8. 9. Et 4. Là, on vous a une petite mise en bouche pour vous donner un aperçu. Qu'est-ce qui vous attend? À ce moment-là, votre niveau est faible. Très faible. Dans 6 semaines, vous avez un niveau digne des AMF. C'est bien compris? Oui, chef! Allez, en position. Allez, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Le sergent-chef instructeur Azevedo est brésilien. C'est un familier de l'Amazonie. Avec le caporal Kim, un Coréen, ils se relaieront pendant 6 semaines afin d'exercer une pression constante sur les stagiaires. En haut. C'est beau! En liste de rang, top! Portez vos bombes. Dernier jour à Kourou avant le départ pour la forêt. Vous n'avez plus de nom, ni de grade. Vous êtes rien que des numéros. On va vous appeler par numéro. Est-ce bien clair? Oui, chef! Vous êtes des numéros et là, les stages AMF va commencer vraiment. Ça ressemble à quoi là où vous allez? Ça ressemble à l'enfer. En bas. En bas. Ils étaient 17 volontaires, une semaine de préparation et déjà ils ne sont plus que 13. Il quitte Kourou pour le CEFEU, le centre d'entraînement en forêt aux portes de l'Amazonie. À partir de maintenant, ils ne sont plus que des numéros. Et ce n'est pas la première fois que ces légionnaires perdent leur identité. Après 3 heures de route et de piste, c'est l'arrivée au camp. Ils n'y passeront que peu de temps. La prochaine semaine, c'est en face. 90 000 km² pour nous. C'est leur domicile. On peut trouver l'enfer, on peut trouver le paradis. Ça dépend de leur mentalité, de leur détermination.
caporal-chef Patterson, un Britannique, est AMF, aide-moniteur forêt, la future fonction des stagiaires. Dans 25 secondes, il y a juste le haut. C'est parti, go! Oui! Pour Patterson, à partir de maintenant, quoi qu'il fasse, ils ne le feront jamais assez vite, jamais assez bien. Quand je dis 25 secondes, c'est 25 secondes. En bas. En haut. En bas.